Salam alaikum. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي. Bah, du coup, pour conclure, si je t'ai demandé à ce qu'on puisse faire ce live ce soir, c'était pas pour qu'on raconte nos vies ou quoi que ce soit et tout, mais vraiment pour, tu vois, donner de l'espoir aux sœurs et leur faire comprendre que rester tout seul, c'est pas la solution. Attends, mais Donc, elles sont... tout à l'heure, il y a des sœurs, elles disaient, ouais, elles disaient, ouais, quand tu es une femme, quand tu es divorcée ou quand tu es veuve, à partir de 35 ans, en gros, c'est comme si, en gros, sur le Une marché, deuxième ouais, voilà, ça, c'est vraiment main. vrai, ça. En gros, les femmes, elles pensent vraiment ça, les femmes. Moi je pensais pas ça, c'est quand en fait tu parles avec des frères, quand ils disent ouais, bah t'es, tu sais, ils posent des questions, oui, bah, je dis ouais, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants. Tu vois que ça bloque en fait. Frérot, notre Oumma, malheureusement, malheureusement, elle est très très malade, frère. Elle est très 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 malade. Et... Tu sais, il y a des blessures. En fait, c'est, je crois que les sœurs, elles ont mis les frères sur des piédestals en pensant qu'elles allaient être avec des prophètes ou des moutarqis, des toulab. Attention, je les critique pas. Hein. C'est un constat que je fais. Et que quand elles vivent la réalité, en fait, il y en a, l'immense majorité, elles tombent dénues, tu vois, deviennent ouf. Disent, c'est un frère, je pensais que ça allait être quelqu'un de pieux, qu'il allait me donner la place que je mérite, le respect, etc. Et après, c'est pas évident, tu vois. Parce qu'on a. Moi, tu connais, je mets les mots, on a beaucoup de chiens, frère, parmi les frères. On a beaucoup de Mais chiens. moi, je sais Plein pas, d'eux. t'as vu, Tu vois. moi, j'essaie d'aider les gens à se marier, tu vois. J'essaie beaucoup d'aider les frères et les sœurs. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que tout le monde est dans le chichi maintenant, hein. Les frères comme les sœurs. J'ai l'impression que moi, en tant que femme, après, je sais pas si je vais avoir des critiques ou des foudres des sœurs. Mais en fait, moi, quand je me suis marié avec Zied, déjà, quand on s'est marié, on a fait un mariage, j'étais à l'autre bout du téléphone et lui, il était à l'autre bout du téléphone. On n'a pas fait de fête, on n'a rien fait. Quand je m'étais marié avec le père des enfants et après, Maximum de baraka, mon je te jure, frère. quand on s'est marié, je me rappelle avec le père des enfants et Arhmou, l'imam, il me dit, vous voulez combien de dot? Moi, je ne connaissais pas. Je dis 5 euros, il rigolait. Il m'a dit, mais 5 euros? Il m'a dit, c'est rien, 5 euros. Il m'a Oui, dit, ben, ah, le gamin, ça va te parler, ouais, il me ça. dit, mais pourquoi tu te maries Ouais, avec mais lui? laisse T'es enceinte? tomber. Enfin, moi, je me suis mariée, on a toujours fait dans la facilité. Même après, on avait fait un mariage femme d'un côté, homme de l'autre. Enfin, c'était à l'algérienne, tu vois, c'était des repas et tout. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas tout ça. Et avec Zied, on a fait même je crois, la Walima, on l'a fait ici, on a fait un couscous. On a fait tout dans la simplicité. Moi, j'ai jamais été une femme à vouloir, comment dire, des fêtes, quand tu vois des Mais mariages, ils font des vidéos. mashallah, vous êtes l'ancienne génération. Vous avez, Voilà, vous êtes, alhamdoulilah, mais non, mais. la génération avant nous, parce que vous êtes plus âgés que nous. Parce que déjà, Mais bon, nous, alhamdoulilah, Hamama. franchement, nous, notre génération, les années 80, franchement, alhamdoulilah, ça va. Mais la génération d'après nous, là, nous, on a fait je sais pas si vous suivez notre page, mais sur notre page, Allah Mustaine, Allah Mustaine. Les sœurs, Ah, maintenant, qui disent qu'il faut je suis, mais moi, c'est pour te dire en fait que moi, la dunya, elle n'est pas dans mon cœur. Enfin, Alhamdoulilah. tu suis tout ce que Je tu fais. suis ce qu'il fait lui, mais bon. Elle piste. Mais voilà, en Il fait, faut des pour dots à moi, les quatre sœurs, c'est moi. chiffres. Maintenant, Non, s'il y a pas minimum quatre chiffres, je me marie pas. Il y a Ouais, ci, voilà. ta. Si le frère, il n'a pas un travail, si le frère, il n'a pas de voiture, s'il n'a pas de maison, s'il n'a pas ceci, s'il n'a pas cela, moi, j'ai jamais demandé ça. C'est un prix qui va à un entretien quand tu veux te marier Ah non, mais c'est pire qu'un entretien d'embauche. Et en plus, après, le truc, c'est que le frère, faut qu'il plaise aussi aux parents. S'il ne plaît pas aux parents, bah, ça va être le Allez, truc. Mais alhamdoulilah, moi, c'est pour ça que je dis aux sœurs, quand vous vous mariez, faut pas voir que le côté argent, le côté ceci, cela. Moi, quand je me suis mariée avec le père des enfants, il travaillait pas. avec moi, je travaille Lui, il pas. travaille pas. Et il travaille pas non plus encore. Et c'est pas parce qu'il travaille pas qu'il n'y a pas de baraka, subhanallah. On fait les choses en On fait les choses, silence. des fois, je veux pas te mentir, des fois, peut-être qu'on a zéro sur le Ouais, compte. tu sais, des fois, frérot, des fois, on me regarde comme ça, on me dit, ouais, il manque les pistaches pour les films ce soir, là. Je regarde mon compte comme ça, je dis, j'ai 70 centimes. Elle me dit, t'as combien, toi? Elle me dit, j'ai 4 euros. Je dis, vas-y, on va à Lidl, tu vois. Et Tu en vois? fait, là, moi, j'ai toujours été dans ce truc-là, en fait. Mentalité de la cité, mon frère. J'ai pas ce Tu truc vois? de.
Il y a des sœurs, c'est moi je vais au restaurant, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là, mais en fait, votre vie, il y a quoi en fait dans votre vie? C'est le matérialisme aujourd'hui. Oui? Mais alors d'aujourd'hui, ils ne se marient que pour ça. Hein. La plupart des sœurs, il y a beaucoup de divorces maintenant à cause de Non, ça. franchement, plus on avance dans les générations et plus il y a de l'exigence. Parce que moi, je me rappelle, moi, pareil. Hein. Moi, je me suis marié il y a 10 ans. Franchement, je me suis marié il y a 10 ans. Bon, je suis taffé, mais ouais, je suis travaillé dans la sanduterie. J'avais pas un bête de taf. Tu vois, je travaillais dans la restauration. J'étais pas stable. J'avais pas d'appart. Je voulais faire la hijra. Mais tu vois, je voulais faire la hijra, je voulais partir, j'avais pas d'appart, etc. Et voilà, moi, ma femme m'a suivi, hein, et même aujourd'hui, ce prana-là, je me dis, des fois, quand je fais une rétrospection, et ça, je reviens en arrière, je me dis, waouh, à la fin, un truc de ouf, hein. On s'est mariés 3 jours après, on est parti au Yémen, tu vois ce que je veux dire? Ouais. 3 jours après, on est parti au Yémen, tu vois. T'en s'est marié, 3 jours après, t'es venu à trois. Ouais, Ouais. mais 3 jours Non, après, on est parti je au suis Yémen, tu vois. Mais, tu sais, aujourd'hui, subhanallah, tu vois, quand je regarde sur la page, tout ce que les soeurs demandent aujourd'hui, ouais, s'il a pas ça, faut pas se marier, s'il a pas ci, on dirait que c'est tout ça qui va garantir le mariage. Alors, je dis pas qu'il faut, bien sûr, pas prendre certaines précautions, mais c'est devenu trop dans le matérialisme aujourd'hui, c'est abusé, tu vois. Franchement, il y a 10 ans, les mariages étaient simples quand même. Aujourd'hui, c'est abusé. Franchement, c'est trop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont célibataires, même des sœurs qui n'ont jamais été mariées, d'autres qui sont divorcées et qui se remarient pas parce qu'ils demandent trop. C'est trop. Alors, pour conclure, frérot, je vais pas te retenir longtemps. Moi, juste un truc, comme j'ai dit encore une fois tout à l'heure, voilà, nous on n'a pas fait ça pour raconter nos vies, etc. et tout. Pour moi, tu sais, je le vivais pas, maintenant je le vis, même si c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je le vis à travers mon épouse, tu vois. Le deuil, subhanallah, c'est quelque chose, c'est un sujet tabou, tu vois. C'est un sujet tabou. J'ai fait beaucoup de recherches, quasiment, voire même personne n'en parle, en fait, au niveau des daïs en France ou quoi que ce soit, au niveau des imams YouTube, t'as capté? Il Je suis obligé de piquer, n'y là. en a qu'un seul qui en a parlé, il est mort, et Rahmou, c'est Rachid Haddad. Ouais, Rachid Haddad, un belge. Ouais, exactement. Il est décédé à Égypte, tu vois. Et les autres, ils n'en parlent pas, ils sont vivants et ils sont. Ouais. Ah, il parle que du mariage. Voilà. Et ils ne parlent que du mariage, pas de la mort, pas de. Enfin Et bref. Et du coup, voilà. ce prénom-là, il parle jamais du divorce. Parce que le divorce, c'est. Il y a une manière de divorcer, mais personne n'en parle. C'est ça, hein, parler de ce qui va et parler de ce qui, ne pas parler de ce qui va pas. Tu vois? Prochain live, je crois que je vais faire, ce sera la jurisprudence du divorce, Moi, je serai pas là dans ce live. Non, faut pas m'inviter. Hein. Moi, non. Inch'Allah. Moi, je vais écouter de loin. Même commenter, je vais pas commenter. Si je t'invite, c'est que tu vas déraper, je vais pas t'inviter. Ah, frère, moi. Tu sais, je vais couper ton micro. Quand tu montes la montagne, quand tu montes une montagne, faut les chaussures. Là, je vais arriver en claquette, frère. Je vais glisser. Tu vois? Donc, là, voilà. Donc, pour conclure, c'était juste pour redonner, on va dire, un élan d'espoir aux sœurs, tu vois, du côté de mon épouse, leur faire comprendre que leur vie, elle s'arrête pas à un décès, vu que s'ils sont toujours vivants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala avait dit pour le prophète, je crois que c'était Abou Bakr qui disait ça, je crois. Hein. Il dit, Mohammed est mort, alayhi salam, mais Allah est toujours vivant. Voilà. Tu vois, il faut Subhanallah. toujours se préférer à celui-là. C'est-à-dire que quand tu perds un être cher, Il a dit, Faman kana ya'budu Muhammad, fa voilà. inna Muhammadan qad mat. Celui qui a adoré Muhammad, il est mort, subhanallah. Et après, il a récité le verset, Wa ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qabli, wa ma Muhammadun illa Rasulun. Quand خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ إِلَى أَعْقَابِكُمْ. Et Mohamed n'est qu'un messager. Et avant lui, il avait des messagers. S'il venait à mourir, est-ce que vous retournerez sur vos pas? Subhanallah. C'est ça. Et il faut s'inspirer, même si c'est pas le même contexte, il faut s'inspirer de ça. Parce que en gros, ça veut dire que ceux qui sont morts, bah, ils sont morts, il faut continuer à avancer dans la vie. Tu vois? D'accord. Continuer à avancer dans la vie.
Et après après je te donne la parole, c'est moi qui décide. Et comment ça s'appelle? Et par rapport aux frères, bon là regardez mes frères, n'ayez pas peur. Que ce soit bon femme divorcée, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire, c'est je sais pas, je le vis pas, donc je vais pas parler de ce que je sais pas. Mais si vous tombez sur une femme veuve et que allez chercher au-delà de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire à ce moment-là, de ce moment précis, c'est-à-dire de regarder le décès de son ex-mari, quoi. Regardez sa situation, regardez comment elle gère actuellement, regardez si elle s'est toujours accrochée au din ou pas. Voilà. Creusez et arrêtez de les catégoriser, les mettre dans des cases. En gros, c'est des secondes mains ou quoi que ce soit. Non, non, non. Parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est que, à l'époque de la Jahiliya, ça nous importait peu de savoir avec qui elle était avant, d'accord? Alors qu'on était des, voilà, on n'était pas dans le dîn ou quoi que ce soit. Et maintenant qu'on est dans le dîn, ça nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la rahma dans nos cœurs et de la compréhension, etc. On n'arrive pas à comprendre cette chose. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut soigner son cœur. Attention, je suis pas en train de dire, moi aussi, hein, moi aussi le premier, toi aussi Mohamed Lamine, chaque musulman, chaque être humain, il doit tous les jours soigner son cœur, tu vois. Comment dire? Et voilà. Juste, les sœurs, moi, j'ai pas l'habitude de m'adresser aux sœurs ou aux femmes, quoi que ce soit. Je m'adresse en général toujours en public masculin. Mais je le dis, les sœurs, perdez pas espoir. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre la niyya de vouloir le faire, Allah Azzawajal va vous ouvrir des portes. Classe. Mais si vous êtes constamment dans la déprime, dans la négativité, etc., mais ça, c'est clair et net que vous aurez rien du tout. Que vous allez continuer à vous dévaloriser. Regardez, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on en a parlé, ma femme. L'une des craintes de ma mère et de ma belle-sœur, c'est parce que mon épouse, elle est costaud. Et au-delà, enfin, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, c'était excessif, on peut le dire. Ouais. Tu vois? Bah, quand je suis rentré, moi, le jour après le mariage, on a parlé au téléphone. Franchement, je lui ai dit, écoute, Me fait chialer. voilà, la chialée, tu vois? Victime. Comment dire? Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Je lui ai dit, je vais te dire deux choses, et c'est pour ton bien, c'est pas pour le mien. Moi, je t'accepte comme t'es, il n'y a pas de problème. Par contre, deux choses, je lui ai dit, moi, je suis un sportif. Tu vois, je fais beaucoup de sport. Bon, là, moi, depuis qu'ils ont tout fermé ici, là, tu vois. Je dis, moi, je suis un sportif, et je refuse catégoriquement que mon épouse ne fasse pas de sport. Ça, c'est mort, tu vois. Et mes enfants, quand ils vont grandir, Charles, et eux aussi, et les deux plus grands aussi. À part la plus grande, parce que enfin, le garçon, je peux lui parler, même s'il fait du foot avec ses potes et tout dehors, au collège, machin, ils ont des activités et tout, alhamdoulilah, tu vois. Mais la plus grande, je peux pas lui dire quoi, je peux pas lui dire d'aller faire un sport, parce que son père, il n'aurait pas voulu ça pour elle, qu'elle fasse du sport, il y a des garçons et tout, tu vois. Donc, je lui dirai rien. Tu vois ce que je veux dire? Même si, même entre filles, je sais qu'il aurait peut-être pas fait ça. Lui, il aurait appris, il aurait dit, tiens, mets les gants, frappe, mets des patates, tu vois. Je connais sa mentalité, tu vois. Mais voilà. Comment ça s'appelle? Je lui au téléphone, je lui dis, écoute, déjà premièrement, parce que moi je suis sportif et que je refuse que la personne qui partage ma vie, elle fasse pas un minimum aussi de sport, tu vois, elle transpire pas au moins 20 minutes dans la journée, tu vois. Et de deux, par rapport à toi, tu vois, je dis par rapport à toi et ton bien-être, tu sors d'une période très compliquée, tu vois, les kilos en plus, ça aide pas. L'alimentation, le chèque de merde, ça aide pas, tu vois. L'état de tristesse, ça aide pas. Je lui dis, quand tu vas faire du sport, tu vas débloquer tout ça. Résultat, les 3 mois du confinement, quasiment 25 kilos de perdu. Tu Comment vous vois? avez fait? Ça, c'est. Il faudrait que vous nous fassiez un petit live sur la perte de poids, On là. va être dans tous les lives. Hein, frérot, écoute, je vais te dire une chose. Je lui ai donné un programme simple Mais moi, j'ai fait qui compliqué. dure 20 minutes. Elle est partie, frère, elle s'est rajoutée des trucs, ça a duré 2 heures. C'est-à-dire, c'est elle. Elle est partie chercher beaucoup plus. Parce qu'elle a trouvé goût à ça et elle a compris ce que je lui ai dit. Que c'était pour son bien. Si j'aurais dit, ouais, C'est moi, pas clair. j'accepte pas que t'es comme ça, tu vas pas me plaire, machin, nan, nan, elle l'aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, j'étais sérieux. Parce que moi, je savais que c'est, après, il y a eu le confinement, on n'a pas pu venir s'installer. Elle a déménagé à la maison, 5, 6 mois après. Mois C'est de ça. juillet, ouais. Mois de juillet, ouais. Mois de juillet 2020. C'est-à-dire, elle n'a pas pu venir s'installer directement. Je sais que si elle serait venue ici, frère, je l'aurais charclé, les escaliers, tout, courir,
Et je l'aurais massacré, tu vois, sans pitié. Mais je lui dis là, vu qu'ils ont tout bouclé, tu as un vélo chez toi. Tu vas faire 20 minutes de vélo, quelques montées de genoux, quelques Squat. talons-fesses, voilà, quelques squats vite fait, burpees, là, jumping jack, tout ça et tout. 20 minutes, tu transpires bien, frère. Je l'appelle, elle me dit, ouais, je commence. Après, je lui envoie un message, elle me dit, attends, je te rappelle, je suis encore sur le vélo. Je dis, oh, mais ça fait 45 minutes, là. Elle me dit, J'avais ouais, après, fait, je vais enchaîner. je sais combien, je crois, 400 ou 500, 600 km de vélo, je crois, 600 km de en vélo 3-4 mois. en 3-4 mois, ouais. Tu vois? Mais cependant-là, ça aide beaucoup hein, pour l'aspect psychologique, le Frère, sport. Hein. en fait, Quand je l'ai vu avant le confinement et quand je l'ai vu après, j'ai dit à Lou, ça va. Tu vois? J'ai dit, ça va. Frère, tout avait fondu, tout En avait fait, le truc de machin. Ziad, c'est que, en fait, quand j'ai perdu le père des enfants, et Rahmo, en fait, tu t'oublies. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, t'es là, mais voilà quoi. Tu dis, bon, bah, t'es en vie, voilà, tu vis parce qu'il y a tes enfants, tu te lèves pour t'occuper d'eux, T'attends mais juste la mort. ouais, tu dis, voilà quoi, c'est bon quoi. Lui, il est parti, qu'est-ce qu'il me reste à vivre en fait, hein. Désolé de parler comme ça, hein, parce que pas bien, vous êtes pas là. Mais en gros, Ziad, c'est quelqu'un qui. Comment on va dire? Qui, ce qu'il veut pour lui, il le veut pour moi, en fait. Et dans un couple, en fait, si t'as pas ça, bah, je sais pas, en fait, le couple, il peut pas marcher. Si lui, il fait du sport de son côté, il fait sa vie et tout, et moi, de mon côté, je fais rien, ça pourra pas marcher. Et en fait, lui, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours, comment on dit, remis à ma, enfin, mis à ma place. Je sais pas comment on pourrait expliquer. Il m'a, ouais, il m'a boosté, il m'a donné l'envie d'être meilleur encore jour après jour, en fait, que même si j'étais, voilà, j'ai 42 ans, et voilà, j'ai toujours quelque chose à prouver, en fait. Et voilà, alhamdoulilah, et Tous les jours, on a des choses à prouver. ouais, tous les jours, on a des choses à prouver. Après, en Inch'Allah. parlant de l'âge, quand on me voit, on me dit qu'on est vu que je suis plus jeune que lui. Grave. Donc, alhamdoulilah, d'un côté. Enfin, il y a un Ouais, petit c'est bout vrai, de temps, t'as mais 40 ans, Ezio, t'as tu quel âge? m'entends? Moi, j'ai 35. 35 ans, ça va Oui. tu. Enfin, il y a un petit à la sortie de l'école de ma fille. Il me dit, ouais, devine, j'ai quel âge? Elle lui dit ça. Elle lui dit, ouais, t'as 20 ans. Elle lui dit, lui, à quel âge? J'ai 40 ans. Non, il m'a dit, t'as 32. Et Ouais. lui, il a 45. Le petit, j'allais lui mettre une baffe, frère. Là, j'allais le sonner. Non, c'est bon. Tu vois, c'est la barbe qui te fait. La Non, barbe et c'est les les cheveux cheveux blonds longs. qu'il a. Là, tu vois, La tu barbe et vois les pas, frérot, cheveux mais longs. moi, les cheveux blonds, il y en a beaucoup. Ah, C'est les t'as soucis. les cheveux blancs. C'est les soucis. Les soucis, on va se taire, mais c'est les soucis. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, Donc, alhamdoulilah. Et ben, maintenant, on attend la conclusion de ton ouais. épouse. Comme ça, on va y aller. Vas-y. Bismillah. Bismillah, pour conclure, moi, je dis aux sœurs, chacun, il fait son choix. Il y a des sœurs qui veulent rester seules, et c'est un choix, et d'autres qui veulent se remarier. Moi, je respecte les deux. Après, c'est vrai qu'en tant que femme, on est plus, comment on va dire, amené à, entre guillemets, à, comment on pourrait dire ça? Donc quoi? Pas Zina, mais. Ouais, amener vers le haram, quoi. Bah ouais, forcément, parce que t'as des hommes qui te côtoient, etc. Et que quand t'es marié, c'est moins compliqué, de toute façon, alhamdoulilah. Et aussi que, à travers, ce que j'ai vécu, j'en avais parlé des fois sur mon Facebook en mettant des messages et tout, et ça avait aidé beaucoup de sœurs qui avaient perdu leur mari aussi. Et voilà. Et moi, je trouve que dans notre Oumma, on parle pas assez de ça, en fait. Et il y a beaucoup de sœurs qui m'ont dit, Sarah, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tout ce que tu as ressenti, j'ai ressenti la même chose. Et ce qu'il t'avait dit par rapport à son. Je vais en parler, par rapport à son cousin qui était mort. Oui, de ce que tu vois. Par rapport à ton cousin qui avait perdu quelqu'un de proche, il avait dit je. Mon cousin, il m'a dit, subhanallah, mon cousin, il y a 3 semaines, il a perdu sa mère. Sa mère, elle est décédée du Covid-19. Et donc, je lui ai dit justement de regarder le live. Mais je sais pas s'il est là. Et Il passe le salam. en fait, mon cousin, pour sa mère, elle est morte, pas musulmane. Donc, et ça, c'est quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. C'est que mon ami qui a perdu sa femme, il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, quand la personne que tu perds, tu sais qu'elle est morte. Et en étant bien dans le dîn, etc., le deuil, il est beaucoup plus facile, subhanallah.
Il m'a dit le deuil, il est beaucoup plus facile parce que il m'a dit sa femme, elle est morte en allant réciter le Coran devant la plage, etc. Donc, le deuil, il est beaucoup plus facile. Mon cousin, lui, tu vois, il dit, sa mère, elle est morte, elle n'est pas musulmane. Parce que nous, on est des convertis. Et lui, on va dire que dans le dîn, il est converti, mais il n'a pas une très, très grande pratique de l'islam, ce qu'on a. Et donc, l'autre jour, je l'appelle, etc. Il était triste. Il m'a dit, j'ai des idées sombres. Il m'a dit, je me demande pourquoi Allah, il nous fait vivre ce genre de choses. S'il existe vraiment, pourquoi il nous donne des épreuves, etc. Et donc, là, j'ai dû lui expliquer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le bien-aimé d'Allah, subhanallah, la personne la plus aimée d'Allah, et son père il est mort alors qu'il était, je crois, dans le ventre de sa mère encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère elle est morte, il avait 6 ans. Il a enterré sa mère avec Baraka Umayman. À 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a enterré sa mère, tu vois. Et il est orphelin, il a grandi dans la maison de son oncle il est mort, sa femme Khadija radhiallahu anha, elle est morte tôt, etc. Et ça veut dire que Enfant, c'est fils, voilà, ses aussi. fils, etc., tu vois. Et tout ça, c'est des épreuves pour que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui l'aimait d'Allah, il l'a éprouvé autant, pourquoi nous, on ne sera pas éprouvé autant? Et voilà, et le prophète Jacob, il était énormément éprouvé, tu vois. Et je lui ai dit, les épreuves, Allah il veut voir par les épreuves, quel est le Non, Job, meilleur c'est de nous en Ayoub. action? Job. Job, c'est Ayoub. Job, c'est. Oh, ouais, c'est Ayoub, Ayoub, ouais, Job, Ayoub. J'ai dit Yacoub. Job, Ayoub, comment il était éprouvé, il était malade, il a perdu sa famille, il avait la lèpre, etc. Donc, Allah, je dis, le Coran nous dit, Huwa alladhi khalaqal mawta wal hayat, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est celui qui a créé la vie et la mort afin de vous tester et de savoir quel est le meilleur de vous en action. Donc la mort, c'est une épreuve, on va la vivre, on va avoir des personnes autour de nous qui vont partir. Il faut toujours avoir la bonne pensée d'Allah, toujours. Non. Bah, profites-en vu que tu fais des trucs là. En fait, moi, j'avais mon compte de Maktaba Zaytouna que j'ai arrêté. Et là, en fait, j'ai fait un compte pour Twitter pour pouvoir faire des lives. Un peu comme toi, tu fais, mais version un peu féminine entre sœurs. Et D'accord. là, en fait, je vais faire un premier live mercredi en parlant des sœurs entrepreneuses et mamans. Et un autre D'accord. live vendredi avec une sœur qui fait le lavage mortuaire. D'accord, mashallah. Et je voulais la mettre à l'honneur parce que ça fait des années que je la connais sur Facebook et je trouve qu'elle fait un travail magnifique. Alaïbarek, c'est une sœur qui est convertie. Mashallah. Et donc, elle va nous parler de ça. Et en même temps, on va parler aussi du deuil parce qu'elle, elle le voit aussi à travers les familles qu'elle rencontre quand elle nettoie des morts. Mashallah. Et comme ça fait des années qu'elle est dedans, j'avais envie de lui, entre guillemets, la mettre à l'honneur parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est, entre guillemets, magnifique parce que pour moi, c'est avoir une force et un courage de faire ça. Parce qu'elle Inch'Allah. nettoie des femmes, des enfants, des bébés, tu vois, c'est. Et cependant, ce qu'elle me disait, Les elle me sœurs, elles disait, c'est demandent important. ton Insta. Ouais, bah, je te l'en. Ziad, il te l'enverra. Ouais, bah, le truc, c'est contactez-moi en privé, je vous le donne, parce que j'ai pas envie qu'elle le donne en public. Tu connais ça. Bah, bref, on va pas rentrer dans les moi, il te l'enverra, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave, t'inquiète. Contactez-moi en privé, je vous l'enverrai. Voilà. Je bloque. Voilà. Et en gros, en fait, elle me disait, Sarah, tu sais qu'en fait, en tant que musulman et musulmane, on est dans l'obligation de savoir nettoyer, en fait, même par rapport à notre Subhanallah. famille. Subhanallah. Ouais. Elle a dit ça, c'est une obligation. Bah, dis rien, comme ça, on va tout raconter. Ouais. Et donc, vendredi, moi, je vais lui donner la parole parce que je trouve que c'est important et il y a peu de personnes qui le font. Mais Zia, tu devrais nous donner en public, hein. De toute façon, je pense que ta famille, elle va. Comme ça, De quoi? tu devrais lui donner l'instant en public, comme ça, on va le repartager on va le mettre en story, comme ça, il y aura le maximum de monde Ouais, possible. y a pas de problème. Alors, attends, Ou je vais le tu, noter. ouais, tu le notes, ouais, en commentaire. Alors, attends, ouais, bah ouais, en plus. Là, entre quoi là? Ouais. C'est tiré de quoi? Tiré du 8? C'est entre, tiré du 6 en bas, Alors, L. attends, parce que j'ai mis le E là. Je suis en train de l'écrire rapidement.
Ouais, en gros, bah, je vais lui donner la parole. Comme ça, elle va parler de bah, tout ce qui est, enfin, du décès jusqu'à l'enterrement, en fait. Et C'est un après. sujet très intéressant, très très intéressant. Entre ça. Elle dit que c'est sa passion, en fait. Je vais le publier, les gens vont me dire si c'est bon, hein, les sœurs vont me dire si c'est bon. C'est un sujet Moi, très mon très truc, c'est règle de intéressant. principe. Ouais, donc voilà. Après, je verrai d'autres Oh, d'accord, sujets, si c'est bon. mais pour l'instant, Ouais, c'est bon. on va faire ça déjà, après on verra la suite. Bah, Inch'Allah. franchement, c'est intéressant, mashallah. Tu es inspirant, Mohamed Gamine, barakallahu Non, parce qu'il y avait un sujet dont il avait parlé, c'était par rapport à tout ce qui était inceste, etc. Enfin, tout ce qui s'était passé une fois. Et franchement, je trouvais ça super intéressant. C'est des sujets qu'on parle pas forcément, en fait. Et il y en a tellement, en fait, dans notre communauté que. C'est pas normal. Moi, je trouve que les sœurs, ils parlent pas assez de ça, tu vois. On va parler des tutos, comment faire un gâteau, comment faire du maquillage, comment mettre son bonnet, comment mettre son hijab, mais vraiment des sujets sérieux, il n'y a pas. Et l'autre fois, j'étais sur un live avec des sœurs, on était 12. Comment mettre son jigbeb en photo devant la Tu tour vois, on Eiffel? était 12 et elle parlait de choses intéressantes. Bah, c'était sur le féminisme. Je me rappelle, elle avait fait un live sur le féminisme, il n'y avait personne. Et les sœurs, elles disaient quoi? On aurait fait un tuto sur comment mettre son rouge à lèvres ou comment nanana, il y aurait eu 50 000 personnes. Ouais, Et malheureusement, le les gens problème, n'aiment c'est pas les ça. sujets profonds. Hein. Bon, aujourd'hui, il y avait un peu de monde quand même, mashallah. Mais aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à 70. Mais si on avait fait un live sur le mariage, live sur le mariage, tu vois, aujourd'hui, subhanallah, tu vois, en fait, le problème, c'est, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on est vraiment sincère, subhanallah, parce que on cherche à appeler à Allah ou bien on cherche les vues. Dès que quelqu'un veut faire des vues, il veut faire du buzz, il parle du mariage. Mais les sujets profonds, la mort, il n'y a pas beaucoup de monde. On a fait, la dernière fois, on a fait des lives sur l'entrepreneuriat avec Ziyad. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais moi, pour moi, ces lives-là, c'est les meilleurs lives. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est en groupe réduit, mais au moins, il n'y a que des gens qui sont vraiment concentrés. Là, aujourd'hui, on n'était pas beaucoup, mais c'est un superbe live pour moi parce qu'il y a vraiment des gens qui sont motivés par le sujet, etc. Et en plus, là, dans les commentaires, je lis un peu depuis tout à l'heure. C'est que du positif, alhamdoulillah, ça fait plaisir. Voilà. Parce que Alhamdoulilah. d'habitude, ça clash un peu, ça revendique des choses, tu vois. Ouais, la Là, mort, ça ça va. met tout le monde d'accord, frère. La mort met tout le monde d'accord. Ah ouais, exactement. Et comme disait Husni, voilà, on va pas donner son nom d'artiste. Non, Voilà. et pour en finir aussi, par rapport à la mort du père des enfants, Yarhamou, il est mort d'une maladie du ventre. Et on dit que les gens qui meurent d'une maladie du ventre, ils meurent martyrs. Et ce prince-là, en fait, c'était juste pour revenir à ça, parce que j'avais oublié, le jour où il était en linceul, il y avait des frères qui étaient venus, qui habitaient, où on habitait avant, dans mon ancien quartier, enfin, place des fêtes, tout ça, et qui disaient, le frère, il a une lumière, ce prince-là, il a quelque chose qui fait que. Et le frère qui nettoyait, il disait, en fait, ça, c'est les gens qui suivent le Coran et la Sunna, en fait. En fait, ils ont cette lumière, en fait, Tu sais, tu voilà, me fais quoi. penser à une parole de l'imam Malik, rahimahullah. Il disait quoi? Il disait, les tombes des gens de l'innovation, c'est comme des grands trous noirs. Et les tombes des gens de Ahl Sunna qui ont commis des grands péchés, c'est comme des jardins éclairés. C'est Et bien, hein? ce point-là, pour en terminer, le jour où ils ont creusé en fait le trou pour l'enterrer, la terre, elle était fluide, il n'y avait pas une pierre. Ils ont creusé, ils l'ont mis. Et après, il y a eu des rêves qui ont été faits par certaines personnes qu'ils connaissaient. Et dans tous les rêves où il est, il rigole, il est habillé en blanc. Et à chaque fois, les gens lui disent de revenir. Il a dit non, je suis bien où je suis. Subhanallah. Alhamdoulilah. Ouais. Allahu Donc, Akbar, Allahu c'est Akbar. pour ça, en fait, moi, Alhamdoulilah, tu vois, je suis sereine, en fait, vis-à-vis de lui, parce que je sais que, Alhamdoulilah, il est bien, il est auprès d'Allah. Alhamdoulilah, tu vois, Subhanallah. Il est pas en train de vivre le Covid. j'ai rien Ouais. à dire, tu vois. Donc, Tu sais, j'ai même envie de dire un truc, et ça, on en a et parlé moi, avec des je gens. le jalouse, des fois, par rapport à ça, tu vois. Parce que Subhanallah, moi, j'ai. Subhanallah, Subhanallah. Moi, c'est ce que j'ai dit aussi. J'ai dit quoi? Je lui ai dit, bon, bah, si demain, je dois claquer, et que, J'aurais deux martyrs. voilà, si demain je dois claquer et que c'est que j'ai pas atteint ce niveau-là, ah, ça va être dur, hein, tu vois. Et j'ai, ouais, de toute façon, je crois qu'il y a une parole aussi par rapport à ça. Le fait partie, je crois, je crois que c'était des savants qui disaient ça, que quand tu jalouses la mort d'un frère que t'aimais et que tu as vu là, sa mort bien se passer, c'est que ta foi, elle est high level, tu vois. Je sais pas. Faut que je vérifie. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que
Nous, subhanallah, là actuellement au Maroc, ici, il y a beaucoup de migrants, tu vois. Moi, j'essaie d'aider les migrants, tu vois, ici, qui veulent aller en Europe et tout. Et il y en a une, elle est venue de surcoiffer mon épouse, tu vois. Elle s'appelle Aïcha, c'est une Ivoirienne. Ah, Hein? coiffé. Ouais, elle Coiffé, venait, ouais, j'ai pas vu. coiffer mon épouse et tout, tu vois. Et, subhanallah, il y a quelques semaines, elle est tombée malade. Elle est tombée malade et tout. Elle a la tuberculose, subhanallah. Voilà, la tuberculose. Et puis, ben là, elle est à l'hôpital ici au Maroc. Et là, ils ont dit qu'elle est en phase finale, tu vois. Qu'elle va bientôt mourir, tu vois. Et elle, son histoire, c'est Miskina, tu vois. Elle est partie de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Elle a laissé ses enfants. Son rêve, c'était d'aller en Europe, tu vois. Elle faisait ses plans. Elle disait, ouais, voilà, je vais aller en Europe, faire venir mes enfants et tout ça, tu vois. Ils ont traversé à pied, etc., tu vois. Et, subhanallah, elle était atteinte de djinn, on lui a essayé de lui faire ruqya et tout ça, c'est compliqué. Bon, là, il est à l'hôpital, ils ont dit elle est en phase finale. Ils ont dit elle est en phase finale, tu vois. Ils ont dit, l'hôpital au Maroc, franchement, c'est l'hôpital, c'est le ghetto, tu vois. Ils ont dit, C'est attends, l'horreur. ouais, ils se laissent tomber, tu vois. C'est Yardoubillah. Et donc, voilà, tu vois, là, maintenant, ils attendent juste que l'hôpital, ils attendent juste qu'elle parte, tu vois. Ils ont dit, voilà, elle va partir. Ils ont dit, prévenez la famille, etc., tu vois. Et alors, Koulehel, moi, ce que je voulais dire par rapport à son histoire à elle, c'est que, en fait, des fois, dans la vie, voilà, tu vois, tu peux avoir des projets. Ton projet, c'est d'aller en Europe, de faire ci, de faire ça. Tu vois, Miskine, elle a quitté ses enfants, etc. Bon, je pense pas qu'elle recherchait forcément la dunya, mais elle recherchait à avoir une meilleure vie parce que les gens en Afrique, ils ont des vies qui sont compliquées, tu vois. Ils ont des vies qui sont très compliquées. Mais à la koulihel, tu vois, il faut que nous. La mort, ça vient trop vite. Voilà, moi, le mois dernier, j'ai fait stage. Moi, je fais stage à l'hôpital, tu vois, parce que dans mes études de kiné, on faisait stage en réanimation. Tous les jours, j'arrivais un mort. Une femme, elle est morte à l'accouchement. L'autre, il est mort comme ça, tu vois. Tous les jours, le matin, tu arrives à l'hôpital, tu te dis combien de morts tu vas voir en réanimation. Tous les jours, tu vois des morts. Il y a des patients, on leur faisait des soins la veille, le lendemain, t'arrives à l'hôpital, ils sont morts. Wallah, et la mort, ça vient trop vite. Ça vient trop vite. Ces derniers jours, moi, j'étais pris de crampes intestinales, tu vois. C'est-à-dire ton intestin, tu vois, il est, tu sais, ça te bloque. Je me réveillais en pleine nuit, j'avais grave mal et tout, tu vois. Tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit avant, je me suis dit avant encore perdre, ça se trouve, je vais caner de ça, tu vois. Et pareil, ça va être une maladie du ventre, tu vois. Oh, par contre, je me remarie pas après. Hein. Ah, tu sais que tu peux pas trouver le boulot. Non. Là, t'es gars, là. Là, t'es gars, là. Après, ça y est, c'est bon. Après, ça y est, terminé. Et voilà, bref, moi, le rappel que je voulais faire, c'est que franchement, il faut qu'on essaye de laisser une bonne image de nous, hein, comme le frère Mahamar. Vous avez vu, mashallah, comment les gens le mentionnent bien, le khayr qu'il a fait. Ça touche Il le fait encore. encore, ça touche ses enfants après sa mort. Laissons une bonne image de nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Essayons vraiment de donner notre temps pour le rappel d'Allah. Franchement, la meilleure chose que l'on peut faire, c'est le rappel d'Allah. Partageons du rappel d'Allah partout, 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 partout. Mais le truc, c'est que lui, en fait, il n'aimait pas la dounia. C'est pas quelqu'un qui était attaché à ça, en fait. Et en fait, quand tu te détaches, en fait, de ça, c'est pour ça, en fait, que son enterrement, tout s'est fait vite. Tu sais comment, en fait, il pensait que l'Algérie, j'allais mettre plus d'une semaine ou 2 semaines à le ramener, alors qu'en 3 jours, il était là-bas. Alors qu'ils m'ont dit, bah oui, c'est pour ça, en fait, il détestait c'est pas détesté, mais il était pas attaché à ça, en fait. Il était, il disait aux frères, des fois, ouais, il avait perdu, je sais pas, des fois, des 15 000 euros, de la tijara, c'est pas grave. Alhamdoulilah. Il a jamais dit un truc, il s'énervait jamais sur les gens. C'était quelqu'un Mashallah, de, très 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 voilà, patient. il patient dans tout, avec tous les petits laits qu'on a eu, alhamdoulilah. On a toujours patienté sur beaucoup de choses. Et subhanallah, c'est ça en fait. Faut se détacher de cette dounia en fait. Les gens à notre époque,
ils sont trop attachés à la dunya, en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut se dire une chose. Ce qu'il faut se dire une chose, c'est que la vie en elle-même, Allah, comme Omar ibn Khattab disait, c'est un tas de déchets. Tu vois, il faudrait mépriser la vie d'ici-bas. Par contre, sa vie à soi, il faut l'aimer. Et tu faire du bien. Faire du bien dès que tu peux faire du bien. Si ta vie, elle est dans l'obéissance à Allah Azzawajal, aime ta vie. Tu vois. Mais la vie dehors, umur, dunya, l'ahwal, machin, tout ça et tout, tu balais ça dans un revers de main. Moi, j'ai une similitude aussi avec ce frère qui l'a choqué. C'est que je fais les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détachement, en fait. Pareil, je peux faire un truc, je peux perdre même 30 000 balles, tu sais, je vais faire une blague, je vais rigoler, tu vois, parce que je m'en ouf. Tu vois? J'ai mis un truc sur ma story, là, je sais pas si t'as vu, je l'ai mis, ma mentalité, tu vois. Un mec, on lui pose une question, genre, en gros, il dit, Pâques, je m'en fous, Noël, je m'en fous, bon, après, c'est un café, tu vois. Il dit Ramadan, je m'en fous. Et le mec, il jardinait un peu. Et la meuf, elle lui pose la question. La journaliste, elle lui dit, vous aimez vos fleurs? Il dit non, ça aussi, je m'en fous. Tu vois. En fait, il faut se détacher de tout ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour certaines personnes. C'est dur. Non, mais c'est important qu'on fasse des petits rappels comme ça, souvent sur la mort, parce que ça nous aide. Hein. On en a besoin, des rappels comme ça, souvent sur la mort. Toujours, on parle de mariage, problèmes socioculturels, on oublie vraiment le fin fond de tout ça, le fin mot de tout ça, c'est qu'on va tous partir. On oublie ce qui va tous nous concerner. Là, il n'y a pas de, il y a pas de lui, ni femme, ni homme, voilà, lui, il y a pas de lui, c'est un Malien, lui, c'est un Tunisien, lui, c'est un... là, la mort, mon frère, à la mort, elle a pas d'identité, elle a pas de, tu vois. Mais je veux dire quelque direct, chose. Moi, j'ai senti qu'il allait partir. Je peux pas dire que je savais qu'il allait mourir, mais même lui, ça se voyait dans son comportement, dans beaucoup de choses, ça se voyait qu'il voyait qu'il, ça y est, quoi. Combien de temps avant sa mort, ça se voyait? Quand il est resté le dernier mois à l'hôpital, moi j'ai vu son état qui se dégradait, et le dernier jour, vers la dernière semaine, je voyais que il y avait rien, en fait. Quand il commençait à plus parler, c'était vraiment que là j'ai vu, ça y est. J'ai dit, c'est ce jour-là, je me suis dit, ça y est. Et en plus, surtout la parole qu'il m'a dit, parce que l'après-midi je l'avais vu, et le soir il me dit, Sarah, fais attention aux enfants, fais attention à toi. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah. Ça, c'est une phrase que j'oublierai jamais, en fait. C'est la seule phrase que j'ai eue à la fin de lui, en fait. Moi, je pense qu'il comprenait que, voilà, quoi. Et le truc, c'est que nous, on devait faire Hijra en Algérie. On devait partir en Algérie. On avait l'appartement, il avait acheté. Et en fait, il a tout enlevé à la fin. Il a dit, ça y est, j'arrête tout ça, en fait. Il savait que... Parce qu'ils disent que, je crois, je sais pas si toi tu me diras si c'est vrai ou pas, mais ils disent que l'ange de la mort, il vient 40 jours, je crois, avant, ou je sais plus combien de... Si je dis pas de bêtises. Allahu alam. Ils te rendent visite. Allahu alam. Mais je crois, dans un hadith, l'ange de la mort, il nous regarde 5 fois par jour, je crois. Allahu alam, je crois, je suis plus sûr. Allahu musta'an. En tout cas, monsieur Lazid. Ouais. Je vais juste terminer sur ça, sur la manière d'être avec son épouse. Enfin, moi c'est ma manière d'être, en fait, tu vois. Et que, encore une fois, les femmes, elles aiment les gars qui sont vrais, qui sont entiers et qui changent pas, en fait. Tu sais, qui vont pas changer pour elles. Ils peuvent ça, mais par contre, elles aiment les hommes qui s'améliorent. Voilà, c'est ça le truc. Moi, ma mentalité, ça a toujours été je vais raconter une petite histoire rapidement. Je l'ai lu il y a quelques jours, ça, et c'est pas moi, je me suis vu dedans direct, en fait. C'est, il y a un jour un couple qui visite un zoo, tu vois, ou une personne qui visite un zoo. Ils voient un couple de chimpanzés, tu vois, ou de singes, je sais plus c'est quel type de singe. Ils voient un couple de singes, voilà, ils sont, tu sais, les bras dessous avec sa femelle, tu sais, ils sont des câlins, machin, il fait le romantique, etc. Après, il va à côté, il voit, par exemple, un lion, il est tout seul dans son coin, tu vois, et sa lionne, elle est avec les lionceaux autour d'elle, machin. En gros, il la calcule pas, tu vois. Il est tout en haut, comme ça, là. Et il y a, à un moment donné, les deux personnes, elles sont là, elles se parlent, elles disent, tiens, prends un caillou, jette sur la lionne, tu vois, voir ce que ça fait.
enfin, jette sur eux. Il prend le caillou, il jette sur la lionne. Le lion, il se lève, il arrive direct vers la personne qui jette et tout, tu vois, tu sais, vers le truc de la cage, tu vois. Il se lève direct, oh, enragé, tu vois. Et après, ils vont à côté, ils font, ouais, viens, on fait la même chose sur les singes, tu vois. Ils jettent le truc sur les singes. Le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre en courant, tu vois. Il se chie dessus, il se casse. Tu vois. Donc, en gros, c'est pour expliquer, soyez pas trop des potes com, soyez pas trop des romantiques à deux balles. Faites les choses comme elles doivent être faites. Gardez votre caractère, gardez votre mental. Sincérité. Voilà, votre sincérité. Améliorez vos points forts et essayez de réduire un maximum les points faibles parce que on n'enlève pas des points faibles. C'est pas possible. Mais par contre, on peut les construire. Moi, j'en suis persuadé. Tu vois? Et on n'efface pas ses défauts, on est des êtres humains, tu vois. Donc voilà. Et, barakallahu fik, Mohamed Lamine, d'avoir fait. Barakallah. Barakallahu fik. C'était très intéressant. Barakallah. Très intéressant. C'est moi Et qui dois vous remercier, mashallah, vous avez fait. J'étais un peu réticent, etc. Mais mashallah, c'était vraiment un moment. C'était t'inquiète, t'inquiète. vraiment un moment. Franchement, c'était un moment très bénéfique, Agréable. agréable. J'ai Un peu tard. versé des larmes, même si on Mais n'a c'est pas pour ça entendu. que t'as pas mis la caméra, t'es un C'est traduit. pour T'as ça. dû partir de la Quand compagnie. Elle a pas pleuré, hein. on parle des sujets sensibles comme ça, je mets jamais la caméra. Jamais je mets la Mohamed Lamine, caméra. tragique. Quand on parle des sujets Bravo, sensibles je comme descends ça, je mets derrière jamais Mohamed la Lamine, caméra. tragique. Ce genre de sujet, je mets jamais la caméra parce que je me connais, tu vois. Quand on a parlé des attouchements sexuels, j'ai pas mis la caméra, tu vois, parce que c'était Moi, vraiment, c'était. c'était émouvant. Et là, franchement, J'ai écouté le début, après j'ai coupé parce que j'allais devenir fou. la vie de ce frère était vraiment émouvante. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'était un bel hommage qui lui a été rendu. Donc, nas'alullah tabaraka wa ta'ala, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح عليه أبواب جنته كما نسأله تبارك وتعالى أن يدخله فسيح جنته وأن آمين. يدخله جنات الفردوس نزلا كما نسأله أن آمين. يحفظه من عذاب القبر وأن آمين. يسدده في الآخرة إنه بالإجابة جدير آمين كالله عز وجل يوفر لي بورت دو بارادي كالله يوفر لي فتح في دوس جنتي نزلا voilà J'ai vu qu'il y avait mes frères Abdullah, il était dans le live. Salam frérot, je vais te contacter bientôt, Inch'Allah. Faut qu'on fasse la part 2. tu veux encore le mettre dans les problèmes de live Je vais le mettre dans la sauce. Allez. Voilà, mes Voilà. frères et sœurs, mes frères et sœurs, n'oubliez pas le frère Ma'mar dans vos invocations, dans les doigts, Bien n'oubliez sûr. pas lui, ses enfants, etc. Vraiment, ne l'oubliez pas. Ça aussi, achetez-le. C'est un très bon livre. Et qu'Allah vous préserve, mes frères et sœurs qui sont dans le live. Non, Amin, barakallahu. n'oubliez pas d'acheter le livre pour ceux qui n'ont pas acheté le livre de notre frère Soleiman et Jalassoudan. Dans les Voilà. deux. Donc, mes frères et Et s'il y en a sœurs, qui veulent lire sur le deuil, s'il y en a qui veulent lire sur le deuil, il y a un livre qu'elle lit, ma femme actuellement, c'est David Kessler. Bon, j'ai pleuré. Hein. Ah, elle a pleuré. Hein. Par contre, là, la chienne. Sur le Ouais. chagrin et le deuil, David Kessler, le chagrin et le deuil. Sur le ouais, je chagrin et ferai le une deuil, ouais. photo, tu m'enverras. Moi, je te ferai une photo, je te l'enverrai, Inch'Allah. Et D'accord. vendredi, bah, je fais mon live avec la sœur sur. Non, mercredi. Non, mercredi sur les Ah, ok. entrepreneuses. Et vendredi sur le lavage mortuaire et avec la sœur. Donc, je Vas-y. vous redonne ce Vendredi, ce qui sera me. qui entre sœurs sur le lavage mortuaire? Bah, moi, je mets sur mon truc. Après, s'il y a des hommes qui sont dans le chat, ils peuvent regarder, il n'y a pas de problème. Parce que c'est intéressant, j'aurais bien me suivre. Mais si c'est encore entre sœurs, pas de souci. Mais si c'est ouvert, Non, après, pas de problème. Non, la parce que prise c'est de là. parole entre sœurs, tu Non, vois. Ouais, c'est une sœur qui bon, je vais parle. juste écouter parce que c'est un sujet qui est intéressant. Ouais, Ah, bah oui. d'accord. Inch'Allah. Bah, Inch'Allah, Ça Tu m'enverras via oui. le Insta, comme ça je vais faire un repartage pour ceux qui veulent Vas-y, suivre ça le live. marche. Donc Vas-y, vas-y. Les voilà. gens du chat, barakallahu Barakallahu fikoum. Vous avez été patient, franchement, du début à la fin, là, c'est resté dans les 50. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous assiste.
Et surtout une chose, le mental, très 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 important, c'est dans la surtout tête que ça se passe, le mindset. La confiance en Allah, azawajal, exactement. Tu vois, il est toujours là. Inch'Allah. Ayakumullah, mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve votre couple, votre mariage, vos enfants. Et on se dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça,